S'il vous plaît, ne me tuez pas. Que voulez-vous? Donnez-moi votre prix, c'est mon corps. Si c'est mon corps, je vous le donne. Mais laissez-moi la vie sauve, je vous en prie. De l'argent. J'ai beaucoup d'argent, tenez-vous. Mais s'il vous plaît, laissez-moi la vie sauve. S'il vous plaît, tout ce que vous voudrez. Monsieur, s'il vous plaît, monsieur, je vous en supplie. Monsieur, je vous en supplie. S'il vous plaît, monsieur. Je vous en supplie, monsieur. Je vous en prie, monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, je vous en supplie, monsieur. S'il vous plaît, monsieur. Je vous en supplie. Pour l'amour de Dieu, monsieur, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur. Monsieur, s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, je vous en supplie. Je vous en supplie, monsieur. S'il vous plaît, monsieur, je vous en supplie. S'il vous plaît, monsieur, je sais plus quoi faire, monsieur. Je vous en supplie, monsieur. Monsieur, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît. Pour l'amour de Dieu, je vous en supplie. S'il vous plaît, monsieur. Monsieur, s'il vous plaît, monsieur. Pour l'amour de Dieu. S'il vous plaît, monsieur. Ne me faites pas de mal, s'il vous plaît. Je vous en supplie, monsieur. S'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît. Où est mon argent? Où est ma marchandise? S'il vous plaît, monsieur. Monsieur, je vous en supplie. Je vous en supplie, monsieur. Ne me faites pas de mal. S'il vous plaît, monsieur. Monsieur. Où est mon argent? S'il vous plaît, monsieur. Je vous en supplie, monsieur. S'il vous plaît, monsieur. Tu auras le temps de implorer le pardon du diable. Je vous en supplie, monsieur. S'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur. Monsieur, je vous en supplie. La cachette du Far West. S'il vous plaît, monsieur. Monsieur, s'il vous plaît. La cachette du Far West. S'il vous plaît, monsieur. Monsieur, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Où est mon argent? S'il vous plaît, monsieur. Monsieur, je vous en prie. Non, monsieur. Non, pas ça, monsieur. Monsieur, s'il vous plaît. Thank you.
Les gars. Mec, mon cœur saigne. Mec, je saigne. Imaginez-vous que ce mec le donne comme il se fait appeler. Un rêve, j'ai terrassé mes gars. Les gars, je saigne. Je saigne. Oh mon Dieu. Écoutez, je peux pas rester les croiser les bras et laisser ce mec s'en tirer impunément. Je ne peux pas laisser ce mec s'en tirer aussi facilement. Je dois en finir avec lui. Je dois buter ce bâtard. Je vous le jure. Je ferai tout ce qui relève du possible pour en finir avec Don Issachar. Les gars. Pour se débarrasser de Doc, il faudrait que nous nous débarrassions d'abord de son plus grand allié. Ce gars qui se fait appeler la gâchette du Far West. Si on réussit à l'atteindre, alors atteindre Don sera facile. Les gars, écoutez. Dans ce genre de situation, si nous allons tous. Je veux dire que si les choses tournaient mal là-bas, qui sera en vie pour conter l'histoire? C'est évidemment le cas où quelque chose tournerait mal là-bas. Mais, ok, en ce qui concerne la gâchette, ou qu'il soit Far West ou peu importe, ne vous inquiétez pas de lui. Je connais ses faits et gestes. Je vais me charger de lui, personnellement. Disons juste qu'il ne vaut rien face à moi. Je vais en finir avec la gâchette du Far West. Non, rien ne va tourner mal. Fais-moi confiance. Bien sûr que je sais, d'accord? Bien sûr que je le sais. Eh bien alors, qu'est-ce qu'on attend? Confiance. Charge-toi de lui. Fais-moi confiance. Mais négro, on y va. Mon fusil dans la voiture. Ok. Hey! Bébé, je sors. N'est-il pas trop tôt? Oh non, écoute. Mes clients sont arrivés au pays. Ils ont besoin de moi et je dois être à cette réunion. C'est vraiment très important. Ils m'attendent. Je te promets, aussitôt que j'ai fini avec eux, je me dépêche de rentrer à la maison te rejoindre. Tu n'as même pas pris ton petit déjeuner. Je sais, plus tard. Maman. Ça ne sert vraiment à rien de tourner autour du pot. Je suis ici parce que j'ai réfléchi et j'ai prié pour cela. Je veux vous dire que je veux prendre John avec moi pour l'amener en ville.
John ira vivre avec moi en ville pour apprendre les ficelles du métier. Je veux qu'il arrête de fréquenter pour le moment. Qu'est-ce que tu dis? Oui, que je veux qu'il arrête de fréquenter pour arrêter le moment. Arrêter l'école? Oui, maman. Pour quelle raison? Je ne suis pas d'accord. Hein? Il est ton seul frère. Et puis quoi? Utilise l'argent que tu gagnes pour envoyer ton frère à l'école. Hein? Je ne suis pas d'accord avec toi. En plus de ça, il est déjà à sa dernière année. Oh, femme, la ferme! La ferme! Hein? Non, mais qu'est-ce qu'on est sur l'éducation et les affaires? Ce n'est pas mieux qu'il aille sur le terrain apprendre à gagner de l'argent. Cela vaut mieux que de se pavaner tel un vulgaire étudiant. Hein? Regarde-le. Il s'est revenu ce matin à 10h. Hein? Est-ce comme ça qu'on gagne de l'argent? Moi, je vais à l'école. Elle ne comprend absolument rien. Je ne vais pas arrêter. Je dois d'abord finir de fréquenter avant de faire n'importe quoi. Ah, ferme-la. Ferme-la, mon ami. Ferme-la. De quoi est-ce que tu parles? John, c'est ma dernière année. Qu'est-ce qui arrivera? Toi, ferme-la. Le business que tu vas bientôt apprendre à faire, c'est un business qui pourra te donner 1 million de naira par mois. Tu pourras revenir dans ta propre voiture et te vanter auprès de commence tes amis par gagner de l'argent étudiant, et continuer de fréquenter plus tard. Deep à Godego. Oberin or dead by you do a foraka wagon baninin solsobu oyum akugonye by ne wopite gundi. Mon chéri, toi aussi? S'il vous plaît. Ceci n'est pas une bonne idée. Ah, cher ami, t'as pas ton mot à dire. Je ne suis pas d'accord avec ça. Rien du tout. Ce n'est que non, s'il te plaît, je suis d'accord. Mon ami. Non, mon cul, oui. Mon fils, ceci est une idée géniale. Une très bonne idée. Hein? Une idée excellente. Je ne sais pas quand de cette femme. Papa, j'en avais déjà parlé avec John avant. Je ne sais pas pourquoi il veut changer d'idée maintenant. Peut-être parce qu'il voit maman. Ah, c'est sa mère. Tu sais qu'il fils est sa maman. Fils à maman. Écoute, on est. On sort quoi une issue sur Yali Abafo. Et pas dire des sitting. Mala, ça sauce ou beibo. Den, men, nyangan, den, docha. Oh, bon, peke. Naï me fait quand des mado. On y sait des ma. Amon, comme nya, 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 nya. Nya, 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 zokodo, isbraye, aïe, aïe. Ege, ding, wai, wane. Tu devras faire très attention à toi quand tu seras en ville. Parce qu'il y a beaucoup de choses dont tu devras toujours te méfier là-bas. Je vous le dis, je ne suis pas du tout d'accord avec cette idée. Tu sais, John, en tout fais cas, tout pour te ressaisir très rapidement. Mais c'est également pour ton bien. Et allons en ville. Pourquoi tu plains? Quoi et quoi, effort, hein? Pourquoi tu plains? Tu vas suivre ton frère. Sinon, compte plus sur moi. Maman, je n'aime pas vraiment l'idée d'aller rester avec McDonald en ville. Maman, ce gars est un monstre. Je ne pense pas que nous pouvons vivre ensemble. Mon fils, je m'inquiète et je me soucie autant que toi. Moi non plus, je ne fais pas confiance à Donald. Mais ton père a insisté. Donc, ne t'inquiète pas. Tu iras bien. Sois juste prudent. Même son surnom, la mort, ça me dépasse. Qui s'en soucie? Est-ce mon problème s'il se surnomme le mort? Ou s'il se surnomme morgué? Ou s'il travaille à la morgue? En quoi cela me concerne-t-il? S'il veut qu'il n'ait pas de surnom, tout ce que je dis c'est que vivre avec ce gars en ville, je ne pense pas que c'est quelque chose que je peux faire. Je préfère rester ici au village, continuer à aller à l'école. Va avec McDonald. Dieu sera toujours à tes côtés. Ok, maman. Allons-y. Ok. Papa, écoute, tu n'as pas à te soucier de maman et de tous ces gna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 gn
s'il te plaît. Joe, allons-y. Faudra bien prendre soin de lui. Ok, d'accord. Tracy, ton mari est méchant. Ton mari est malfaisant. Ces hommes travaillent pour lui. Que se passe-t-il ici? John, ton frère est un meurtrier. Ton frère est un meurtrier. Qu'est-ce que je veux dire? Gift a vu ses gars. Ils ont attaqué un monsieur et l'ont tué. Ils ont tué cet homme juste pour de l'argent. C'est faux. Ce n'est pas vrai. Parce que j'étais avec mon frère toute la journée. Eh oui. Oh. J'aurais dû t'écouter. Je pensais avoir épousé un ange. Je ne savais pas que j'ai épousé un monstre. Oh mon Dieu. J'aurais dû t'écouter. C'est bon. Je suis heureuse que tu t'en aies enfin rendu compte. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais Gift, es-tu sûre qu'il travaille pour lui? Parce que je n'ai rien vu. Parce que je n'ai rien vu. Es-tu sûre que ce sont ses gars? Je sais ce que j'ai vu. Menteuse, vous mentez parce que ce n'est pas vrai. C'est un tissu de mensonges. Oh, nous sommes allés chez le gouverneur pour le rencontrer. Et j'étais là-bas avec mon frère. Et nous avons passé toute la journée avec le gouverneur. Vous êtes une menteuse. Pourquoi mentez-vous contre lui? Qu'est-ce que vous essayez de faire? Qu'est-ce que vous essayez de prouver? Madame, respectez-vous. Ne venez pas ici créer des problèmes. Parce que vous êtes une menteuse. Oh Dieu, je ne sais pas quoi penser. Je suis confuse. Oh, je suis tellement confuse. Thank you.
John? Tu dors? John, tu n'as pas l'air dans ton assiette à ce que je vois. Tu peux me dire ce qu'il y a? Do, tu es rentré? Oui. J'ai essayé de te joindre. Mais ton numéro ne passait pas. Quel est le souci? Désolé, je me suis rendu dans un village très reculé. Je suis vraiment désolé. Je suis allé voir notre ami Jide dans un village de Yoruba. De Yoruba. Mais que s'est-il passé? Écoute, je n'aime pas quand les gens ne s'occupent pas de leurs affaires et qu'ils se mêlent des choses qui ne leur regardent pas. Que veux-tu dire? Que veux-tu dire? Il y a eu un incident qui s'est produit devant la boutique qui se trouve de l'autre côté. Et Gift, l'ami à la femme de mon frère, suspecte que mon frère a quelque chose à voir avec ça. Tu peux le croire? C'est tout? N'y prête pas attention, ne fais pas attention à eux. Tu sais que les gens peuvent se montrer très jaloux. Et dis à la femme de ton frère de faire très attention avant que quelqu'un d'autre ne lui arrache ton frère. Elle est juste tarée. Occupe-toi de tes affaires. Es-tu obligé de mettre ta bouche dans ce qui ne te concerne pas? Ne t'en fais pas, calme-toi. En passant, j'ai une nouvelle. L'association des anciens élèves nous invite à l'école. Nous allons tenir une réunion très bientôt. Ça ne m'intéresse pas. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit que d'argent. Oui, contribuer ceci, il faut réparer le réfectoire. Contribuer cela, il faut refaire le bâtiment académique. Contribuer, il faut refaire ceci ou cela. Non. C'est bon, là. Ça ne m'intéresse vraiment pas. John, il y a quelque chose à manger dans cette maison, j'ai faim, je veux manger. Tu as compris ce que j'ai dit? Ma puce, savoir d'où est-ce que tu sors? Je t'ai demandé d'où est-ce que tu sors? Tu peux me dire quel est le souci? Pourquoi es-tu aussi hystérique et agressif? Je suis un businessman et j'ai beaucoup de choses à faire. Quel est le problème? À quoi pensais-tu? Je suis ton mari. Chérie, je suis désolée. Je suis désolée. Il y a quelque chose qui m'amène à agir ainsi. Des gars ont attaqué un homme devant nos yeux aujourd'hui. Et moi, vraiment? Mon ami dit que ce sont des gars qui ont tué cet homme. Mes gars? Non, ça ne peut pas être chérie, mes gars. Ils l'ont tué. Mes gars sont des gardes du corps. Ils ne tuent pas. Ok. Tu n'as pas à t'occuper de toutes ces choses. Au Nigeria, ces jours-ci, nous avons les kidnappeurs qui kidnappent les hommes riches, les femmes et les politiciens. Nous avons de jeunes garçons qui font toutes sortes de choses pour chercher de l'argent. En fait, c'est beaucoup plus dangereux pour les femmes parce qu'elles coupent leur partie intime pour des rituels. Mais ça, et le reste. Tu dois être vraiment très prudente dans ce pays. Qui sait ce qui peut arriver? Allons, bébé, on y va. Je suis désolée. Allons-y à l'intérieur. Qu'as-tu préparé? Ton plat préféré. Oh, merci. les amis, vous pouvez disposer. Allons-y à l'intérieur. Allez. Tu devrais arrêter de te soucier de toutes ces personnes stupides. Et aussi de tous ces bandits et de leurs histoires.
Oui, oui, oui. Oui. D'abord, c'est moi. $10 millions de naira pour un deal. Oh, mon ami, je peux vous garantir que vous n'avez aucun souci à vous faire. Vous savez que je suis toujours prêt. La mort n'échoue jamais. Votre honorable monsieur le ministre. Oui, monsieur, votre honorable monsieur le ministre, oui, monsieur. Je veux que vous considériez ce travail comme étant déjà fait. Oui, Otumba et Sika, en ce qui me concerne, sont déjà morts. Cité sous terre, morts. Oui, sans vie. Oui, certainement. Je vais vous envoyer mon numéro de compte. Je vais récupérer l'argent demain matin, monsieur. Il n'y a là aucun problème, votre honorable, monsieur le ministre. Merci, monsieur. Oui, monsieur. $10 millions de naira. Ces enfoirés sont morts, les gars. Ils sont morts. Morts, morts, morts. Il faut que je sache ce que je vais faire avec tout cet argent. Oh, une nouvelle maison. Oh, cette maison. John. John. Hein? Mark. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? John. Que s'est-il passé? Pourquoi respires-tu comme si j'avais vu un fantôme? Qui te poursuit? Mac. Qu'est-ce qu'il y a? Mac. Je l'ai entendu au téléphone. Il est sur le point de tuer un homme et son fils. Hein? Un ministre. Le ministre Otumba. C'est faux. Hey, qu'est-ce que tu racontes? Je ne te crois pas. Je sais ce que j'ai entendu. John, je vais aller lui faire face. Non, 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 non. Ne fais pas ça. Écoute, tu connais qui est Barton. Écoute, n'essaie pas de lui faire face, hein. Cherchons plutôt comment trouver une solution. Chercher quelle solution? Es-tu sûr? Allô, Do? Je veux te voir urgemment chez moi. Oui, il y a quelque chose de vraiment important dont j'aimerais te parler. C'est vraiment urgent. À vrai dire, c'est une question de vie ou de mort. D'accord, je t'attends. Regardez qui vois-je là. John. J'ai été rapide. Me voici. Quoi de neuf, frangin? Mon frère. Je vais bien. C'est juste que je ne comprends pas ce qui se passe dans notre société. Qu'est-ce qu'il y a? Le ministre Otumba et son fils sont morts. Quoi? Comment le sais-tu? Ça fait des gros titres des journaux. La police pense que ce sont des hommes armés qui ont tué M. Otumba et son fils dans leur jardin. C'est un homicide. La police est en train de mener ses enquêtes. Qui peut se cacher derrière tous ces meurtres? Je ne sais pas. Attends, attends.
J'espère que c'est pas ce à quoi je pense. Ça, c'est le nom que j'ai entendu Mark mentionner au téléphone l'autre jour. Oui. Que veux-tu dire? Y a-t-il quelque chose que tu connais, que je ne connais pas? De quoi parle-t-il? Ah. Je voudrais te parler. Excuse-moi. Je voudrais te parler. Excuse-moi. C'est pas vrai. Oh. Mac, j'essaye de te parler, mais tu m'évites. Comment peux-tu être aussi cruel? Hey! Jusqu'à quand vas-tu m'éviter? Jusqu'à quand? Comment peux-tu être aussi cruel? Mac! Comment as-tu pu? Écoute, Tracy. Comme tu peux le voir, je suis occupé avec mes gars en ce moment. Je vais te parler plus tard. C'est ton frère. De quel gars parles-tu? Ces fils de pute. C'est d'eux que tu parles? Mac, qu'est-ce qui se passe? Parle-moi. Tracy. S'il te plaît, fais très attention à tes mots. Je te préviens. Je ne changerai pas mes mots. Parce que tu es un monstre. Arrête-toi là. Et si je refuse? La gâchette du Far West, Otega. Je viens de finir de discuter avec mon client. Ils vont envoyer la marchandise au Nigeria la semaine prochaine. Avec mon approbation. Si la cargaison se perd ou n'arrive pas à bon port, vous en subirez les conséquences. J'espère que je me suis bien fait comprendre. La nouvelle est partout dans les journaux, et mes hommes enquêtent encore sur l'affaire du meurtre du ministre. Quoi? Vous voulez dire que la nouvelle est devenue virale? Monsieur le commissaire, écoutez-moi. Je me fiche pas mal. Nouvelles. Vous m'avez compris? Je me fiche pas mal des nouvelles. Je vous paie grassement. Et votre devoir, c'est de me protéger. Vous m'avez saisi. Me protéger. C'est bon, je le ferai. Mais s'il vous plaît, allez avec modération. S'il vous plaît, écoutez-moi très bien, mon ami. Je voudrais que vous me retrouviez quand il sera exactement 12 heures pile. J'ai quelque chose pour vous. C'est d'accord. Ok, d'accord. Oui, John. Papa, comment tu vas? Je vais bien, papa. J'espère que tu vas bien. Oui, tout va bien. Papa, je veux discuter de quelque chose avec vous. À propos de quoi? À propos de ma décision. J'ai décidé de rejoindre les forces de la police. Les forces de police? C'est quoi ce genre de stupidité? Rejoindre les forces de police? Ça n'arrivera pas. John, ça n'arrivera jamais.
Non, mais ça signifie que de toute l'éducation que tu as reçue, tu veux finir comme un simple policier. Un simple policier qui passe son temps debout sur les rues. Accepter les pots de vin. Non, papa, il ne s'agit pas de ça. Je veux rejoindre les forces de police parce que je veux les aider à combattre le crime. Oui. Mon fils. Oui, maman. Es-tu sûr de prendre la bonne décision? Bien sûr, maman. Prendre la bonne décision, est-ce la seule question que tu as pu trouver? Qu'attendais-tu que je dise? John, je sais que tu es quelqu'un de futé, cela depuis ton enfance. Tu as toujours été très intelligent. Mais il me semble que tu as un peu trop bu d'alcool dernièrement. Hein? Parce que je ne comprends pas. Pourquoi tu te comportes comme ça? Jamais auparavant, aucun de mes fils n'a posé un tel comportement. Aucun! Papa, j'ai mes raisons de vouloir rejoindre les forces de police. John, je vois que tu es complètement stupide. Stupide! Mon fils, as-tu parlé de cette décision avec ton frère? Pas encore. Je le ferai aussitôt que je serai de retour en ville. Alors, c'est tout ce que tu as à dire, hein? C'est tout ce que tu as à dire, Ngozi? Chérie. Je ne peux plus jamais entendre parler de ce sujet dans cette maison. Je voulais juste vous faire part de ma décision. Je dis, je ne veux plus rien entendre. Plus rien entendre. Ok. C'est comme tu veux. Vous savez, comme je le dis, vous devez être prêt. La marchandise, comme vous le savez, va arriver avec mes clients très bientôt vers 9h du soir ou bien vers minuit. Je dirais pour être certain à minuit. Vous devriez être au rendez-vous avant l'heure. Vous avez rendez-vous à minuit avec le client pour récupérer la marchandise et vous allez trouver des gars au rendez-vous prêts à vous aider. Ils travaillent avec nous. Otega va s'avancer avec ses hommes, c'est-à-dire mes clients, avec eux quelques gars. Si d'accord, ils vont les escorter jusqu'à leur résidence. Et toi, tu viendras me rejoindre. Je veux discuter de quelque chose avec toi. En privé, grand frère. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Je veux te faire part de mon envie de rejoindre les forces de la police. Tu peux te répéter? En fait, j'ai toujours eu ce rêve, tu vois, de rejoindre les forces de la police.
Alors je me suis dit que je devrais t'en parler et demander ta permission. En fait, et aussi recevoir des conseils venant de mon grand frère et tout le reste. Que ce soit la dernière fois. La dernière fois que tu mentionnes la police dans cette maison. Est-ce que tu m'as compris? Sombre idiot. Allez, dégage d'ici. Al-Nouezi. Et Joy B. Policeman. ODP au Kagemena. Regardez-moi souvent. Sombre idiot. Et Zajoka Lilela Kakompagne Gojune Zouzouya Lilezi. Foutaise. La gâchette du Far West. Otega. Comme je disais avant d'être interrompu. Et si jamais ton grand frère continue de refuser que tu rejoignes les forces de police, que vas-tu vraiment faire? Est-ce que je m'en soucie? Mais tu sais que c'est ton grand frère. Vas-y, dis-moi, viens à ma place. J'ai pris ma décision. Et c'est tout. Je veux rejoindre les forces de la police. Je vais le faire. Bon après-midi. Bon après-midi, monsieur. Bon après-midi, monsieur. Mon ami, je ne veux pas de ton bon après-midi. C'est un mauvais après-midi pour toi. Écoute, je sais que tu sais que tu n'es pas le bienvenu dans cette maison. Je ne t'apprends rien là-dessus. Monsieur, je ne comprends pas. Tu ne comprends pas? Laisse-moi être plus clair encore. Je suis au courant que c'est toi et toi seul qui encourage John à rejoindre les forces de police. Hein? Ce n'est pas moi. Regardez-moi ce gros porc avec son gros ventre. Allez, disparais d'ici. Ferme-la. S'il te plaît, veux-tu arrêter de l'accuser? Je suis un adulte. Je peux prendre mes propres décisions. Mon ami, est-ce que tu vas la fermer? Décision mon cul. Et toi, je ne veux plus jamais te voir dans cette maison. Porte ton gros ventre et va être policier dans ton village. Dégage, policier de Pakouchi. La gâchette du Far West. Mon ami, dégage ici immédiatement. Je suis désolé. Disparais. Tu parles au téléphone. D'accord, au téléphone. Sombre gros idiot. Tu veux être policier? Regardez-moi son ventre comme le tien. Des frères jumeaux, des policiers. Qui allez-vous arrêter? Inatina Yayonezi Kandala. Ebinozugono Wego Wefenen. Jibu Police Povati. Bukwanye Bagenana Boy. Mafukoya Bozo. Sombre idiot. En tout cas, au revoir. Ocha moins manqué non. Devenir policier, tu ne m'en empêcheras pas. Hey! 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 Mais quel est ton problème? Que veux-tu dire par là? Mais quel est ton problème, s'il te plaît, hein? C'est Mac. Et... laisse-moi tranquille. Et... je te cache définitivement. Je t'en prie. Je quitte ta maison. Oh, je suis prêt. Lâche-moi. S'il te plaît. Je t'en supplie. S'il te plaît. Je ne savais pas que tu étais si méchant. Pardonne-moi pour tout. Mac, tu es sans cœur. S'il te plaît, ne dis pas ça. Tu es sans cœur. Ne dis pas ça. Mac, tu sais quoi? Tu es le fils du diable. Je... c'est pour ça que tu ne peux pas me donner d'enfant. Lâche-moi, laisse-moi. Écoute, regarde, attends. Je te quitte définitivement. Tu peux rester avec tes soi-disant cars. Je te quitte. Continue avec ta vie.
la cachette du Far West. Sergent Paul. Dorénavant, il va travailler avec vous. Merci, monsieur. Je promets de défendre nos valeurs avec ardeur. Monsieur, nous pouvons disposer. Bien sûr. Tous mes secrets. C'est comme ça que tu oses me remercier.
prochaine fois. Plus jamais. Sont-ils déjà arrivés, mes clients? Ok. Grand frère, bon après-midi. John. Oui? Où étais-tu passé? J'étais chez un ami. J'avais besoin d'air frais. De l'air frais? Du bon air? Hein? Mais je suis entré dans ta chambre ce matin. Elle était totalement vide. Tes effets t'ont-ils aussi suivi pour prendre de l'air frais? Eh bien? C'est juste pour savoir. Grand frère, je suis venu prendre de tes nouvelles. Me rassurer que tu vas bien. C'est évident que tu vas bien, donc j'y vais repartir maintenant. Ok. On se voit plus tard. Regardez-moi cet idiot. Grand garçon. Attrapez-le, mes amis. Je vais te... La prochaine fois, apprends de mes techniques à tes gars. Ils ne valent rien. Venez ici, idiot, bande d'incapables, sale vermine, hein? Si ça avait été la cachette du Far West, il aurait tué. Vous n'êtes qu'une bande d'incapables. Je suis le remède au virus qui a infecté ton sang. J'en fais mon affaire. Tu peux t'en aller. Tu dois être traité. Mais pas aujourd'hui. Le mort, j'espère que tu vas bien. Êtes-vous au courant que l'un de mes hommes est en garde à vue ici? Oui, je le sais. Mais fais-moi confiance, nous n'allons pas le garder pendant longtemps. Je veux juste faire taire toute suspicion avant que nous le relâchions. Vous savez que je sais comment m'y prendre. Je veux vraiment que vous fassiez tout ce qui pourrait être en votre pouvoir. Pour qu'il soit libéré avant la fin de la journée. Est-ce que vous avez saisi monsieur? Rien. J'ai dit, rien ne va arriver à votre cœur. Et encore, dites à ceux qui sont capables et en liberté de faire profit bas parce que mes enfants font tout leur possible pour les arrêter. Qu'ils fassent
y avait ce dossier sur lequel je travaillais. Et à mon retour, j'ai constaté que le dossier avait disparu. Et même le suspect avait disparu. Ça m'étonne, mais je travaille à cause de cette affaire. Donc, vous êtes ici pour m'interroger? Suis-je en train de subir un interrogatoire? Non, monsieur. Pour répondre à votre question, je me suis chargé personnellement d'interroger ce garçon. Et j'ai découvert que ce garçon est juste un chauffeur ordinaire. Ok, ce n'était qu'un simple chauffeur. Il a juste porté ses gares. Et il ne savait pas que c'était des bandits. Non, monsieur. Au contraire, mes investigations sur cette affaire ont démontré que ce jeune homme est l'un des gardes du mort. Donc vous m'apprenez maintenant mon travail? Ok, vous m'apprenez maintenant mon travail? Non, monsieur. À présent, écoutez-moi très bien. Je ne veux plus qu'il y ait aucune forme d'investigation sur cette affaire à nouveau. Ai-je été clair? Oui, monsieur. Monsieur, je fais comprendre. Oui, monsieur. Peux-tu croire qu'un dossier sur lequel je travaillais m'a été retiré hier? Alors, je suis allé demander au commissaire ce qui s'est passé. Il m'a dit de sortir de son bureau. Je ne comprends pas. Y a-t-il un problème? Bien, le suspect est-il innocent? Innocent? Donc, quelqu'un qui a été pris main dans le sac pendant qu'il transportait des stupéfiants? Et y compris des armes à feu? Et le commissaire m'a regardé droit dans les yeux et a osé me dire que ce n'était qu'un simple chauffeur. Eh bien, il pourrait évidemment avoir raison. Qu'as-tu dit? As-tu perdu la tête? Mes investigations sur cette affaire m'ont prouvé que ce jeune homme est l'un des hommes du mort. Quelque chose n'est pas clair dans cette histoire. Peut-être que ton frère a soudoyé le commissaire. Je me suis dit la même chose. Mais tu sais quoi? Je vais le découvrir. Nous vivons dans quel pays? Ceux qui sont censés protéger les intérêts de la population sont ceux qui les détruisent. Mince. Je pense que vous allez trop vite. Oui. Savez-vous à quel point le mort est dangereux? Monsieur, c'est mon frère. Je le connais très bien. Donnez-moi juste le mandat d'arrêt, c'est tout. Laissez-moi m'occuper du reste. Écoutez-vous parler, monsieur. Écoutez ce que vous dites. Dites-moi quel genre de frère voudrait arrêter son propre sang. Quel genre de frère êtes-vous? Je ne sais même pas qui vous a donné cette information, ou bien comment vous l'avez reçue, je n'en sais rien. Mais je veux juste que vous sachiez que je ne vous donnerai pas une autorisation. Monsieur, ces personnes sont dangereuses. Ils peuvent tuer cet homme après le cambriolage. Sa vie est en danger. Rappelez-vous que c'est notre droit de protéger les vies et les biens. Qu'il m'a demandé
de lui donner un mandat d'arrêt pour arrêter vos hommes, qu'il programme de cambrioler deux blancs. Quoi? John a dit ça? Oui, c'est ce que John m'a dit. John veut me défier, moi, la mort. Hein? Et il est bien décidé. Très bien. Laissez John pour moi. Comme vous voudrez. Il a signé son arrêt de mort. D'ailleurs, où a-t-il eu cette information? Je n'en sais rien. Je m'en fous. John pense qu'il est futé. Plus que moi. Mais laissez-moi vous dire qu'il est en train de marcher sur la queue du lion. Voici un peu d'argent. Ne vous occupez pas pour John, je m'en charge. Écoutez-moi. Remplissez votre part du contrat. Et je remplirai ma part du contrat. Vous savez très bien que je remplis ma part du contrat. Hmm? Très bien, monsieur. Santé. Écoute. Hey, laisse-moi te dire un truc. Joe, tu es en train de marcher sur la queue du lion. Mais pourquoi as-tu juré de me détruire, moi, ton frère? Tu es un monstre. Et je dois t'exposer. Vraiment? Écoute. Je jure devant Dieu que j'ai toujours eu le sentiment et la sensation que tu ne m'as jamais vraiment aimé. Mais laisse-moi te dire un truc. John, au lieu d'interférer comme ça tout le temps dans mes affaires pour me les détruire ou me détruire, je te promets que je vais te tuer. C'est tout toi. Je te reconnais bien là. Je veux juste te faire répondre de tes crimes devant la justice. Si je voulais te tuer, je l'aurais fait la nuit dernière, pendant que tu dormais. Quoi? Tu m'es venu dans ma chambre? Oui, bien sûr que je l'ai fait. C'était très facile de déjouer la sécurité de tes hommes et de me rendre jusqu'à ta chambre pour récupérer les informations dont j'avais besoin. J'aurais pu te tuer si je le voulais. Bon Dieu. Laisse-moi te dire un truc. Tu as vraiment été chanceux, John. Tu as été chanceux. Et tu resteras toujours un sombre idiot. Je suis la mort. Je vais toujours trouver le moyen sans aucun doute de te traquer jusqu'en enfer et de te détruire. Écoute-moi très bien. Je sais que tu as eu cette information et que tu as dit à ces blancs de ne pas se montrer et ils ne se sont pas montrés. D'accord, mais je comprends. Et je te jure devant Dieu, John, que tu vas le payer de ta vie jusqu'à la dernière minute. Je te le jure. Nous ferons. Bien, nous ferons.
Bébé. Je suis tellement heureuse. Nous n'avons plus à cacher notre relation. Est-ce que c'est une relation officielle? Je veux dire, est-ce que je peux venir quand je veux? Oh oui. Bien sûr. Tu peux venir quand tu veux, sans toi libre. La mort sera toujours là pour toi. Après tout, c'est ton second domicile. Non, oh. Bébé. Deuxième domicile? Oui. Non, c'est censé être ma maison. Il faudrait que tu y penses. Si tu te débarrassais de ce vieillard, alors nous serions libres. Donc, c'est ma maison. Hein? Bébé. Es-tu sûre de vouloir faire ça? Bien sûr. Je veux le faire. Mais tu dois le faire toi-même pour éviter que ça échoue. Je ne veux pas que tu envoies tes hommes. Mais je vais te tenir informé pour que tu saches qu'on frappait. Tu sais... Je ne veux surtout pas d'erreur. Allez, la mort ne commet pas d'erreur. Je frappe un seul. Pas d'erreur. Pas d'erreur, bébé. Je suis impatiente. J'ai trop hâte. Mais écoute. Allons à l'intérieur et... Ouais. Tu veux me donner un coup? Oui. Je vais aussi te donner un coup. Peux-tu le croire? Je suis allé voir le commissaire pour qu'il me donne un mandat d'arrêt pour que je chope ses gars et ses clients. Et il a répondu que les choses ne marchent pas de cette façon ici. Peux-tu croire ça? Tu sais, John, je te conseille de faire attention. Parce que je crois que le commissaire travaille main dans la main avec le mort. Oui. Je suspecte cela aussi. Mais ne t'inquiète pas. Je vais trouver le fin mot de cette histoire. Mais qu'est-ce qui t'a fait penser cela? Oui. J'ai dit ça parce que, tu vois, l'ancien officier qui travaillait ici avant toi avait été chargé d'enquêter sur le meurtre d'un certain ministre Otumba. Mais le commissaire a refusé, lui disant qu'ils avaient des choses bien plus importantes à faire. Tu es sérieux? Le mort a commis tellement de crimes. Mais tu sais quoi? Il doit être démasqué au plus vite. Ouais. Ouais. Bébé. J'ai finalement pu trouver comment nous allons nous débarrasser de ce vieillard. C'est vrai? Oui. Écoute. Vas-y, je t'écoute. Nous allons bientôt aller prendre service. Alors, je voudrais que vous nous attaquiez en cours de route. Et que vous fassiez en sorte que ça ressemble à un braquage ou quelque chose comme ça. Oui. Ah. Oui. Tu es une braqueuse? J'ai un bon professeur. Hein? J'ai un bon professeur. Tu sais que la mort est toujours prête et à l'heure, mais tu devras lui prendre plus d'argent, environ 250 ou 500 000. Mets-le dans un sac. Oui, parce que nous allons dépenser de l'argent pour nous amuser. L'argent n'est pas un problème. Oh, vraiment? Il faut d'abord se débarrasser de lui. Ensuite, nous allons en profiter. Je te fais confiance. Je sais de quoi tu es capable. Considère cette mission comme déjà effectuée. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Attends, attends. Qu'est-ce que c'est que ça? Retire-la. Non, 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 non. Retire-la. Ne t'en fais pas. Laisse-la d'abord pour le moment. Je vais l'enlever quand tout sera enfin terminé. Calvin. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est quoi ton problème? Dépose ce téléphone et va te coucher. Il faut que tu pries que cette histoire de photographie ne te mette pas dans les problèmes. Mais maman,
Tu sais très bien que la photographie a toujours été ma passion. Vraiment. Dans cette maison. Dans cette maison, tu ne seras jamais un photographe. Mets-toi ça dans la tête. Alors, merci. Tu sais que ça a toujours été son rêve. Quand j'étais plus jeune, c'était aussi ma passion, mais je n'ai pas persévéré. Je sais qu'il a hérité ça de moi. C'est un bon garçon. C'est mon fils. Qu'est-ce que tu dis? J'ai été assez clair. Et c'est tout. Il ne sera jamais un photographe. Jamais. Allez, va mettre ton frère au lit. Stupide garçon. Ton frère veut devenir un ingénieur et ta soeur un médecin. Toi, tu veux devenir photographe. Filmer des oiseaux dans la forêt. Ça suffit, merci. Laisse cet enfant tranquille. Kelvin, amène ton frère à l'étage, hein. Et bonne Même nuit. Même si tu as également sommeil. D'accord, va te coucher. Dis bonne nuit à papa. Assure-toi de bien te couvrir. Dis bonne nuit à papa. Bonne nuit. Bonne nuit. Et passe une agréable nuit, hein. Nous pouvons aller nous coucher. Il se fait tard. Très bien, avance-toi. Et dès que je termine de regarder cette émission, je te rejoins. D'accord. Oui. Oh. C'est la mort à l'appareil. Oh. Maman, la mort, c'est ton fils. Je ne suis pas et je ne serai jamais la mère du mort. Ah ah. McDonald, nous voulons vous voir, toi et ton frère. Bien, maman, tu sais que tu dois le savoir. Je suis vraiment un homme très occupé ces derniers temps. Et donc, je ne sais vraiment pas si je vais pouvoir trouver du temps pour faire ce voyage. Tu dois faire l'effort de trouver du temps ce week-end. Je vais contacter ton frère aussitôt que je raccroche cet appel. Quel jour de ce week-end? Ce samedi. Je vais voir si je peux me libérer. Je suis un homme d'affaires très important. Tu sais que je suis un homme riche et puissant, maman. Et mes affaires ces derniers temps me prennent beaucoup de temps. Et tu veux me faire sortir de ma zone de confort. Super, très bien mon fils. Prends soin de toi, hein? Écoute, maman, attends. Ne raccroche pas ton téléphone, tu m'appelles maintenant ton fils. Ok, écoute, comment va papa? Ok, fasse-lui le bonjour de ma part, ok? Et dis-lui que je vais acheter beaucoup de bonnes choses sur le chemin, hein? Pour le village, les provisions et beaucoup de nourriture. Ok, mon fils, jusqu'à la mort. Bye. Ouais. Écoute, maman, très bien. Aucun problème, maman. Ok, bye bye. Bye. Vraiment, maman. Bien. La mort, McDonald, de tous les noms dans le monde entier, tu as préféré répondre à la mort. Hein? Que Dieu te vienne en aide. Qu'il te vienne en aide. Qu'est-ce que tu penses de la 5G qui est là dehors, partout, et dont tout le monde se plaint? Pas, c'est juste la technologie. Mais vous savez, beaucoup de gens lui attribuent tellement de choses. Ils disent que c'est la cause du virus. Hein? Certains disent que c'est une sorte de maladie. Ah! Papa, que se passe-t-il? Mon fils bien-aimé. Hein? Je n'en reviens pas. Vous avez commencé la réunion sans moi.
Est-ce le bonjour que nous méritons de notre fils après un si long moment? Maman, je suis désolé. Oh, mon fils. Maman, je suis sois la bienvenue, fils. Et puis, nous n'avons pas encore commencé la réunion. Nous étions juste en train de discuter en espérant te voir arriver. Alors, comment était ton voyage? Oh bien, papa, je n'ai pas eu de problème. Est-ce que vous allez bien? Nous allons bien. Nous allons très bien. Comme tu peux le voir, c'est la forme. J'ai demandé à votre mère de vous faire venir, tous les deux, parce que j'aimerais avoir une conversation sérieuse avec vous. Nous n'apprécions aucunement ce qui est en train de se passer entre vous deux. Nous sommes un, le même sang, le même père, la même mère. Vous voyez? Alors, vous êtes supposé vivre dans la paix et l'harmonie. Comment vous la montrer? Et Magdon, c'est toi l'aîné. Si John se comporte mal, tu n'auras qu'à le ramener sur le droit chemin. Hein? Et toi, John, il est de ta responsabilité d'obéir. Tu vois? D'obéir. Et la chose la plus importante, Magdon, depuis la mort de ta femme, on s'attendait à ce que tu nous communiques le programme, mais tu n'as rien fait. Et aujourd'hui, ta belle famille t'accuse d'être le responsable de sa mort. Qu'est-ce que cela signifie? Quel est leur problème? Hein? Belle famille, mon cul, c'est une laide famille. Ils devraient s'occuper de leurs affaires et me laisser m'occuper de ma vie privée. Il s'agit de ma femme et non la leur. Papa, ce n'est pas ce qui m'intéresse pour le moment. Ce jeune homme, ou bien ce petit garçon, ce sombre idiot, John. Laissez-moi vous dire un truc. Il a cessé d'être mon frère depuis le jour où il a décidé de me combattre. Quoi? Et je peux vous dire que la guerre est déclarée contre John. Arrête ça, Macdon. Tu déclares la guerre à ton propre sang? Qu'est-ce qui t'arrive au juste? Que veux-tu dire par là? Pourquoi est-ce que tu ne peux pas t'adresser à cet idiot? Arrête de m'insulter! Tu te prends pour un homme. Arrête de m'insulter! Laisse-moi te dire un truc. Quand tu commences quelque chose, sans avoir réfléchi, avec la mort, sans précaution, moi, je la termine. Je vais te faire souffrir. Tu ne vas rien faire de tel. Tu es un monstre. Tu es un meurtrier. Je vais m'assurer que tu pourrisses en prison. Je te meurtrier. Je ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Essaye de ta race. Essaye. Tu n'es qu'un monstre. Tu iras en prison. Je vais finir avec toi. Je vais m'assurer que tu pourrisses en prison. Je vais vraiment te faire saigner. Je vais te coller une balle en plein cœur. Laisse-moi cette arme. Non, mets-toi de côté. Mets-toi de côté. Mets-toi de côté. Mets-toi de côté. Vas-y. Fais un seul geste. Fais un geste. Je vais t'exploser la cervelle. Je suis la mort. À ma présence. Je vous en prie, mes enfants. S'il vous plaît, arrêtez. Laisse mon bras. Arrêtez. Je fais ta part. Laisse ton bras. Arrêtez mes enfants. Laisse mon bras. C'est bon. Sale bandit. Hey. Maman. Ce n'est pas le moment pour les émotions. Ce n'est pas le moment pour les émotions. Mets-toi de côté. Vaut rien. Magdam, je t'avais déjà dit que je n'aime pas lorsque tu te surnommes le mort. C'est un surnom durant des jeunes voyous, hein? Non, mais où est-ce que t'as pris ce nom? Qui t'a donné ce nom? Papa, s'il te plaît. Que... Je veux dire, que tout le monde fasse l'effort, puisqu'il s'agit de ça, de s'occuper de ses affaires. S'il te plaît, retire d'abord la poutre qui est dans ton œil avant de regarder la paille qui est dans mon œil. L'une des raisons pour laquelle je me surnomme la mort, c'est parce que j'ai dû me battre tout seul pour arriver là où je suis aujourd'hui. Je suis un mort face à la pauvreté. Je suis né dedans et je ne compte pas y retourner, plus jamais. Alors je vous le dis, je ne serai plus jamais pauvre jusqu'à la fin de ma vie. C'est un serment et une promesse. Ok, mon fils. De toute façon, cette raison n'est pas suffisante. Pas du tout.
elle n'est pas assez suffisante. Mais bon, qu'il en soit ainsi. J'en appelle à ta raison du fait que... John est ton petit frère. J'en appelle à ton indulgence, quel que soit ce qu'il a eu à te faire. S'il te plaît, trouve le moyen de lui pardonner et d'oublier. Asso, Kenne. Inegwana. Oyaka, Wone. Il se prend pour un policier tout puissant. S'il te plaît, essaye de pardonner et d'oublier. Et John, essaye d'être respectueux avec ton frère. Fais de la paix. McDon. Être l'ennemi de ton propre sang, ce n'est pas une option. John, mon fils, je t'en supplie. Essaye de toujours respecter ton grand frère. Afin que vous puissiez vivre en paix. Maman, tu sais que je respecte cet homme. Je lui ai donné tout mon respect, et tu le sais. Mais cet homme ne mérite pas mon respect. Il ne le mérite pas. Depuis que je l'ai découvert, j'ai arrêté de le respecter. S'il veut mon respect, qu'il le gagne. Maman, tu devrais être en train de parler à cet idiot, à cette espèce d'abruti. Regardez-le, un sale petit chien, un pauvre petit agent de police. Onyena ma de toi si a boué boué. Ebouni le boué, ou tchessena, ibouni tché boué, histoire sa boué yaï. Eh bien, il est en train de marcher sur la queue du lion. Et je vais me réveiller et le dévorer. Dasisia ba wo nyam, waiyaï boué nana. Tu ne peux rien faire. Inouawaïa. Encore, s'il vous plaît. Je vais te dévorer. Tu ne peux rien. Vous devez arrêter ça. Madame. S'il te plaît, tu t'es tellement mise en colère. Essaye de te calmer. Calme-toi, hein? Tu sais que John, ton frère, n'est qu'un enfant. Non, papa, je ne vais pas le tolérer. Papa, je ne suis pas un enfant. Je ne vais pas le tolérer, je suis un adulte. Et je mérite du respect. S'il veut que je le respecte, qu'il me respecte aussi. S'il ne le fait pas, il ne l'aura pas. S'il te plaît, calme-toi. S'il ne le fait pas, on est. S'il te plaît, mon ami, c'est un rebord de ma vue. Hein? Nous ne sommes quand même pas dans une zone de guerre. Pour essayer d'arranger les problèmes qu'il y a entre vous. Hein? S'il vous plaît, mes enfants. Ne vous inquiétez pas. Hein? S'il te plaît, ne t'inquiète pas, maman. Calme-toi. Je suis fatigué de tout ceci. On voit encore rien. Je vais mal aller. Vous n'avez pas à vous déranger. Alors, parle-moi de toi, bébé. Je veux tout connaître sur toi. C'est-à-dire ta famille, ton travail. Et d'où tu viens? Je suis une orpheline. J'ai à peine connu mes parents parce que je les ai perdus quand j'avais à peu près 5 ans. Oh, désolé. Je vis avec mon patron. C'est la seule famille que j'ai depuis qu'il m'a ramassée dans la rue et s'est occupé de moi. Ton patron? Tu travailles pour lui? Oui. Oui, il est le propriétaire de la compagnie où je travaille. Et je vis aussi avec sa famille. Ils sont la seule famille que je connais. C'est bon. C'est bon, bébé. Ça va aller. Je vais bien. Moi, j'ai toujours mes parents. Ok. Et mes parents restent au village. Et j'ai un grand frère qui est un sac à problèmes. Est-il aussi mauvais? Plus que ce que tu peux imaginer. Mais c'est bon. Je t'aime et je suis heureux d'être ici avec toi. Je t'aime aussi. Allô? Oui, je sais. Bébé, je suis désolée. Je n'ai pas pu t'informer de cela plus tôt. Est-ce que tu sais que cet idiot a gâché tous nos plans?
Je suis très en colère en ce moment. Alors, quelle est la marche à suivre? Bébé, j'ai hâte d'être avec toi. J'ai hâte d'être avec toi. Cet idiot est très difficile à tuer. Tu sais quoi? Je veux que tu viennes l'exécuter ici chez moi. Oui, ici chez moi. Et que fait-on des enfants? Ah, ils ne sont pas un problème. Ils ne sont pas un problème. Ils ont leur chambre. Ne t'inquiète pas, je vais m'occuper d'eux. Viens juste le faire pour que nous puissions... Bébé, je suis très impatiente d'être avec toi. Je suis impatiente. Viens juste le faire et surtout pas d'erreur, s'il te plaît. C'est pour ça que je me surnomme la mort. Tiens-moi juste informé. Je le ferai. Prends soin de toi, bébé. Je t'aime, bébé. Bien. Comment était la journée? Mais tu m'as tellement manqué aujourd'hui. Vraiment? Oui. Tu sais, j'avais des situations aujourd'hui au boulot. Ouais, et le simple fait de penser à toi m'a porté chance. Vraiment? Oui, c'était une affaire particulière. Oh. J'étais chargé d'escorter un certain Monsieur Chex qui sortait du Royaume-Uni. Waouh, mais oui. C'est très bien. Oui, il est là pour une affaire avec une compagnie pétrolière qui est basée au Nigeria. Ok. Donc tu devras toujours être avec lui. Tu parles là comme si je vais te manquer. Je te manque déjà. Tu vas me manquer. Bien sûr que je vais devoir être avec lui parce que je suis son garde du corps. Son garde du corps particulier. Nous allons loger dans un hôtel. Et toutes les formalités ont déjà été remplies. Il doit être très riche. Très riche, tu dis? Cet homme est sauvagement riche. Oui. Oui. C'est pour ça que je suis son garde du corps. Tu sais, quand ces hommes riches arrivent au pays, oui, ils aiment être regardés et être en sécurité. Tu comprends? Je t'aime, bébé. Sois prudent. Merci. Fais très attention à toi. Je le serai. Tu le verras? Oui. Je t'aime. Kelvin? Oui? Comment tu vas? Bien. Je constate que tu es vraiment engagé avec cette histoire de photographie. D'accord, papa. Eh bien, j'ai fait la même chose lorsque j'avais ton âge. Tu sais, j'adorais bien prendre des photos. Mais je le faisais pour le plaisir. Mais papa, j'aimerais devenir un photographe. T'en fais pas, mon fils. Tu sais, ton père est vraiment prêt à tout faire. Du moment où c'est ce que tu aimes. Merci, papa. Bien. Je sais qu'un beau jour, tu seras un très grand photographe. Et ainsi, tu diras que de bonnes choses, tu vois, concernant notre famille, à travers tes photos. Bien sûr, papa. Jette un coup d'œil à ta belle maison et tes voitures. Waouh, elles sont belles. Continue ainsi, mon fils. Elles sont vraiment belles. Waouh, regarde celle-ci. Elle est belle. Continue ainsi. Merci, papa. Oui, je vais à l'intérieur. Bébé, qu'est-ce qu'il y a? Non, il n'y a aucun problème. Je vais vérifier la porte. J'ai cru que la porte était fermée. Oui, mais je veux juste vérifier.
Madame, nous sommes vraiment désolés pour ce qui vous est arrivé. Mais nous devons tous faire des efforts pour que vous puissiez répondre à nos questions. Et nous aider avec l'enquête. Pouvez-vous nous dire ce qui s'est exactement passé cette nuit? Ce soir, nous étions tous au salon avec les enfants et je leur ai demandé d'aller dans leur chambre se coucher. Ensuite, je suis allée à l'étage pour retrouver mon mari. Nous n'étions même pas encore endormis. Il était assis sur le lit. Et brusquement, quelqu'un est entré. Et avant que je ne puisse comprendre ce qui se passait, il a tiré sur mon mari et s'est enfui. Vu votre description, il semble que vous n'avez pas vu clairement la personne qui l'a fait. Non. Je n'ai rien pu voir, tout était noir, non. Je n'ai pas pu voir son visage, mais je peux dire que... Je peux dire qu'il était grand de taille, mais je n'ai pas vu son visage. Les enfants, avez-vous vu par hasard la personne qui a tiré sur votre père? Je viens de vous dire que je leur ai demandé d'aller se coucher, donc ils étaient dans leur chambre. Ils n'ont pas vu ce qui s'est passé. Ils sont sortis quand cet homme est parti. Ils n'ont rien vu. C'est possible qu'ils puissent avoir vu quelque chose? Non. Ils n'ont rien vu. Ils étaient dans leur chambre. Ils ne sont pas sortis. Ok. Eh bien, nous allons partir, d'accord? Mais s'il vous plaît, n'hésitez surtout pas de nous rappeler au cas où vous vous souvenez de quelque chose sur cette personne. Et rassurez-vous que je vais revenir de temps à autre pour prendre de vos nouvelles. Merci infiniment, mais s'il vous plaît, faites tout ce qui est en votre pouvoir pour arrêter les coupables. S'il vous plaît, je vous en supplie. De faire tout ce qui est possible pour arrêter le coupable, il l'enferme et il fera face à la justice. Eh bien, madame, nous allons partir. Une fois de plus. Nos sincères condoléances. Merci. Soyez fort. Allons-y. J'ai vu votre travail et vous faites du très bon boulot. Qu'en est-il de ce portail? Je vais le faire d'ici quelques jours. J'avais donné ce travail à quelques gardes du quartier, puis ils ont traîné. Je vais le faire. S'il vous plaît, j'ai besoin que ce travail soit achevé le plus tôt possible. Je dois livrer ça au plus. Oui, monsieur. J'ai une pression folle, s'il vous plaît. C'est d'accord. Dis-leur de retirer ces choses. D'accord, monsieur. C'est ok. Je vais m'y mettre sérieusement. La gâchette? Encore toi? Tu es un enfant maléfique! Tu as pris mon argent! Tu as tué mes hommes! Tu as pris toute ma marchandise! Que veux-tu de moi? Obonyi Bouma, Mikeba Huna. Hey, je ne suis qu'un entrepreneur. Oloka Bourbona, alo. Bike Bounam. Biko amo fumborwa ebuna bebu ipo ebonnanna miao ebuna. Hey, merci Seigneur. Hey, okan kanisinwena iswe mama manga nemu ikene munu smoite etiko bunu na berebere okabuni ya berebo. Où est votre mère? Elle est sortie.
Vous savez quand est-ce qu'elle va rentrer? Non. Je pense que nous allons l'attendre quelques moments. C'est possible? D'accord. Je peux voir que tu es concentré sur ton téléphone. Tu regardes un film? Je regarde mes photos. Je suis un photographe. Ah, vraiment? C'est bien. Je peux jeter un coup d'œil? Oui, vous pouvez. N'est-ce pas votre mère? Oui. Comment et où as-tu pris cette photo? S'il vous plaît, ne le dites pas à ma mère. Je promets de ne rien dire à ta mère. C'est le jour où mon père a été tué. J'ai vu ma mère embrasser un homme. Je les ai pris en photo, mais je n'ai pas pu prendre son visage. Je peux prendre cette photo? Non, s'il vous plaît, ne le faites pas. S'il vous plaît. John, y a-t-il un problème? Viens jeter un coup d'œil à ceci. Oui. J'enquête sur une histoire de meurtre dans laquelle le mari d'une femme a été tué. Donc, nous nous sommes rendus chez elle pour mener des enquêtes. Pendant que nous étions là-bas, j'ai remarqué que son fils regardait les photos dans son téléphone. J'ai voulu regarder les photos dans son téléphone quand il m'a dit qu'il était un photographe. Je l'ai dit vraiment. Et quand j'ai pris le téléphone pour regarder les photos, tu ne peux pas croire ce que j'ai vu. Qu'as-tu vu? J'ai vu cette même femme dont le mari a été tué, câlinée, enlacée, embrassée un autre homme. La même nuit que son mari a été tué. Et son fils a dit que c'est le même homme qui a tué leur père. As-tu vu son visage? Oui, mais pas très bien. Cet homme ressemblait à un... Ressemblait à qui? Je ne peux pas vraiment te le dire parce que nous travaillons encore sur cette affaire. Et nous ne l'avons pas encore élucidée. D'accord, bébé. Tu dois juste être prudent. Tu sais que je t'aime et je ne veux pas te perdre. Fais-moi confiance, je le saurai. Alors, qu'aimerais-tu avoir pour le dîner? Toi, bien sûr. D'accord. Thank you.
Calvin. Où est-ce que j'ai pris toutes ces photos? Maman... Tu dis maman? Commence à parler, tu dis maman. Je t'ai vu quand tu es sorti, quand cet homme m'a tiré. Je t'ai suivi et j'ai pris cette photo. Wilson, Chadera, vous m'avez également vu? Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Attendez, attendez. C'est pour cela que vous êtes tous montés quand je suis rentrée? Maintenant, écoutez-moi très attentivement. Si je suis bim de vos bouches chez quelqu'un, je vais vous tuer tous les trois. J'ai été assez claire? Calvin, tu ne pars pas? J'ai dit, j'ai été assez claire. Oui. Parce que toi, si on vous demande quoi que ce soit, vous n'avez rien, vous. Et essayez de parler. Juste parlez à quelqu'un de cette histoire. Je vais tous vous tuer. Idiot. La gâchette du Far West. Oh, petit gars. Dans 3 heures. 3 heures. Ma marchandise va arriver avec le chef. Et je ne veux pas entendre qu'il y a eu une autre erreur. Toi, la gâchette du Far West, tu te rends là-bas. Tu récupères ma marchandise et mon argent. Mon argent, mon argent. Ma marchandise. Oh, tes gars. Bois. Plus aucune erreur. Plus aucune erreur. Je veux que ce soit fait dans 3 heures. Je ne peux pas tolérer. Et je ne vais pas tolérer. Et je... ne vais pas tolérer de perdre de nouveau. Et je ne vais pas perdre cette fois. Il s'agit de beaucoup d'argent. Ta vie et sa vie dépendent de cette marchandise et de cet argent. Mon argent. Je le veux. Ne l'oubliez surtout pas. Pas d'erreur. Pas d'erreur. Aucune erreur. Aucune erreur cette fois-ci. Oui, qu'est-ce que... Nous sommes finis. Quoi? Nous sommes finis. Je suis déjà mort. Je suis la mort. Je n'ai peur de personne. Alors ne me raconte pas ces bêtises. Le mort, rappelle-toi que tu m'as dit que mon fils a pris une photo de nous ce jour. Tu te rappelles? Je l'ai confirmé cet après-midi. Et puis quoi? Qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons faire? Et puis quoi? Et puis quoi s'il nous a pris en photo? Hein? Écoute. Calme-toi. Je vais trouver quoi faire. Il doit avoir une solution. Ok? Il y a une solution. Avec la mort, il y a toujours une solution. Oui,
Je vais trouver une solution. Nous devons tuer. Nous devons tuer tous tes enfants. Oui, je vais le faire. Quoi? C'est la seule solution. Tu veux tuer mes enfants? Ouais. Tu dois trouver une autre solution. Tu ne peux pas tuer mes enfants. Écoute, c'est la seule solution. Il n'y a pas d'autre solution. Tu ne peux pas tuer mes enfants. Je ne vais pas le permettre. Tu ne peux pas tuer mes enfants. Hey. C'est la seule solution que nous avons. Le mort. Tu ne peux pas tuer mes enfants. Tu dois trouver une autre solution. Excuse-moi. S'il te plaît. Trouve une autre solution. La gâchette du Far West. S'il te plaît, je ne veux pas regarder les films nigériens. Je veux regarder les dessins animés. S'il te plaît, va prendre la télécommande à l'étage. Moi, je veux regarder un film et non les dessins animés. S'il te plaît, va prendre la télécommande, non. Qui allait avec la télécommande à l'étage? S'il te plaît, non. Laisse-le, c'est bon, je vais aller la prendre. Alors, Kelvin, dis-moi exactement ce qui s'est passé. Cela s'est passé un jour où j'étais à la maison avec mon frère et ma sœur. Maman est venue et a pris mon téléphone. Elle s'est mise à regarder les photos que j'avais prises et elle est tombée sur la photo où elle se trouve avec l'homme qui a tué mon père. Alors, comment a-t-elle su que tu avais cette photo? Lui as-tu dit? Je n'en sais rien. Elle a également demandé à mon frère et ma sœur s'ils avaient vu la photo. Et ils ont répondu oui. Je lui ai demandé si elle avait une liaison avec l'homme qui a tué mon père. Elle m'a crié dessus. Et elle m'a dit de ne surtout en parler à personne. Sergent, avez-vous parlé des photos à Merci? Non, pas du tout. Moi-même, je suis surpris. Kevin. Tu es sûr que tu ne l'as dit à personne? Non, à personne. Quelque chose ne tourne pas rond. Ça, c'est sûr. Tu sais quoi, Kelvin? Tu vas devoir rester ici avec moi. Jusqu'à ce que nous ayons fini avec les investigations, d'accord? Parce que je pense que ta vie est en danger. Oui, tu as raison. Ok. Chérie? Oui, bébé. Comment vas-tu aujourd'hui? Je vais bien. Et toi? Je vais bien. Chérie, c'est qui? Oh, je ne t'en ai pas parlé. Il s'agit du jeune homme dont le père et les frères ont été tués. Oh, pauvre garçon. Ouais. Ça va? Chérie, devine quoi? Dis-moi. Je vais passer le week-end avec vous. Tu es sérieuse? Oui. C'est très bien. Ouais. Viens là. Tu m'as vraiment manqué. Tu m'as aussi manqué. À quel point? Tellement. Tellement, tellement, tellement. Allô, patron. Oui, je travaille encore dessus.
Oui, monsieur, je vais vous tenir informé dès que j'aurai fini. D'accord. Au revoir, monsieur. Oui. Je suis sûr que cet homme que j'ai vu sur cette photo, c'est mon frère. Chérie, tu ne peux pas être sûr, ça peut être n'importe qui. Non, pas avec toutes ces preuves. Quelles preuves? En fait, je pensais que Merci avait pris le téléphone de Kelvin. Ça te préoccupe? Allons, tu devrais me faire confiance, bébé. Je vais trouver le fin mot de cette histoire. Viens là. Tu sais que je t'aime, n'est-ce pas? Je t'aime aussi, mais j'ai mal qu'à chaque fois que je te pose des questions, tu fais tout pour les garder confidentielles. C'est parce que je ne veux pas te déranger avec mes problèmes. Est-ce que je me plains? Tes problèmes sont aussi les miens. Pas ce genre de problème, bébé. Il ne s'agit pas d'histoire de famille. Hein? Peu importe. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es en colère? Oh. Chérie? Tu es en colère? Sommes-nous censés avoir des secrets? Mais... écoute, chérie, écoute, j'essaie de ne pas mélanger le travail et ma relation. Je n'ai pas à te déranger avec toutes ces choses. Peu importe, ne t'en fais pas, tu peux les garder pour toi. Ok, je suis désolé. C'est bon. Désolé. Je suis désolé, ok. Allô? Allô? Je t'écoute. Femme, laisse-moi te dire quelque chose. Ça t'intéresse peut-être de savoir que ton fils est en train de planifier et comploter avec mon frère John. D'où Jésus? Qu'est-ce que tu dis? Comment l'as-tu découvert? Pourquoi diable poses-tu ce genre de questions? Je peux découvrir ce dont j'ai envie de savoir. Je suis la mort. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Écoute-moi très bien. C'est la dernière fois que je te parle de ce sujet. Nous allons finir ce que nous avons commencé. Tu m'as compris? Nous allons finir ce que nous avons commencé. Tout ce que nous avons commencé. Assez. D'accord, bébé. Écoute, fais tout ce que tu peux pour nous sortir de cette merde. Ok? D'accord, bébé. Prends soin de toi. Bye. Mm-hmm.
Tu penses que je ne peux rien te faire, toi? Attends. Et observe. Observe, voir. Tonton, fais-tu confiance à tantine Nancy à 100%? Oui, je lui fais confiance, mais tu sais, ce n'est pas conseillé de faire confiance à quelqu'un à 100%. Quelque chose me dit qu'on ne devrait pas faire confiance à tantine Nancy à 100%. Je l'ai entendu parler au téléphone et appeler quelqu'un patron. Écoute, Calvin. Nancy est ta tante, ok? Elle a traversé la même situation par laquelle tu passes quand elle avait ton âge. Mais sa situation était bien pire. Tu dois lui faire confiance, ok? D'accord. Calvin, je pense que tu dois rester à la maison. Nos vies sont en danger. C'est très sérieux. On dirait qu'il y a quelqu'un qui surveille tes déplacements et donne des informations à ton frère. Donc, tu parles comme si tu ne connaissais pas le mort. Le mort a des hommes partout et il est au courant de tout ce qu'il souhaite connaître. Ces hommes sont là à espionner pour lui. Non. Il n'y a rien dont il n'est pas au courant. Écoute, mon ami. Je te conseille de faire de la prudence ta devise. Tu dois vraiment faire gaffe à toi et te battre jusqu'à ce que tu aies démasqué le ou les coupables. Et la loi se chargera de lui. C'est seulement à ce moment que tu pourras te balader librement, s'il te plaît. La mort. La mort. Bébé, je suis en train de sortir. J'ai un devoir à papy, d'accord? Bébé, hein? Il y a quelque chose dont j'aimerais te parler. Ok, vas-y, je t'écoute. Je n'ai plus assez de temps. Je ne sais pas comment tu vas le prendre. Mon cœur, tu sais que je n'aime pas te voir comme ça. Peu importe ce que c'est, dis-le-moi, ok? D'accord, je... Qui est-ce? C'est Paul. John, tu es encore ici? Bienvenue, monsieur. Ah, nous avons un rendez-vous à rattraper. S'il te plaît, allons-y. C'est vrai. Bébé, tu dois partir, ok? On se verra plus tard. Vite. Bébé. Mais ne t'inquiète pas. Je vais me dépêcher, puis je reviens, ok? Ouais.
Maman, papa, voici le jeune homme dont je vous ai parlé, dont le père et les frères ont été tués. Il s'appelle Calvin. Il va rester ici pour le moment. Oh mon Dieu. Pauvre enfant. Fiston. Oui. Ça va aller. Sois le bienvenu. Oh. Mon fils. Sois la bienvenue. Merci, monsieur. Dieu va te venir en aide, c'est sûr. Merci, papa. S'il vous plaît, tant qu'elle sera ici, je ne voudrais pas que Madone sache qu'il reste ici. Parce qu'à travers mes investigations, il est le suspect numéro un du crime. Tinekemo. Donc, il pourrait arriver ici et en finir avec lui. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Oh, qu'est-ce qui a transformé Donald en un monstre? Hein? Il est pire qu'un monstre. Pourquoi se comporte-t-il ainsi? Hein? Hey! Seigneur, je ne sais plus ce que je dois faire. Hein? C'est incroyable. C'est impossible. Je sais que McDonald a toujours été un garçon très réservé. Hey, Dieu! Quand il était jeune. Mais qu'est-ce qui s'est passé? En tout cas, que Dieu lui vienne en aide. Ouais. À ce niveau, que Dieu lui vienne en aide. McDonald est bien pire que ce que vous pouvez imaginer. Ça, c'est juste une parenthèse. Je vais retourner en ville demain et je vais laisser ce jeune homme ici. Calvin. Tonton. Voici mes parents. Hein? Ils sont désormais tes parents. Tu as mon Dieu, un nouveau père et une nouvelle mère. Aie pitié. Tes parents sont des gens bien. Ils vont bien s'occuper de toi, ok? Merci, tonton. Bien. Au cas où tu as besoin de quelque chose, tu peux me joindre en passant par eux. Ok? Oui. Sois prudent. Ne sors pas. Reste à la maison. Ok. Comment est-ce que tu vas? J'espère que vous allez bien. Oui, monsieur. Vous appréciez votre séjour avec moi? Ouais, il est très agréable, monsieur. Regardez qui est à la porte. Qui est là? Le service des chambres. Ah, faites-le entrer. Bonjour, monsieur. Comment tu vas? Je vais bien, monsieur. Sergent. Monsieur. S'il vous plaît, pouvez-vous m'emmener une bouteille d'eau à la réception? Je suis déshydraté. Monsieur, vous ne pensez pas que c'est risqué de vous laisser accompagner d'une étrangère? Une étrangère? Oui, monsieur. Je travaille ici, monsieur. Vous travaillez? Vous êtes sexy. Merci, monsieur. Ok. Depuis combien de temps travaillez-vous ici? Depuis 2 ans, monsieur. 2 ans? Oui, monsieur. Oh, vous êtes une beauté. Approchez-vous, que je puisse vous en dire plus sur votre beauté. Ok, monsieur. Ok, prenez place. Surtout, sentez-vous à l'aise. Alors, ici, vous commencez par me parler de vous. De
étudiante. J'adore votre casquette. Merci. Ça vous dirait de travailler pour moi? Peut-être. Vous pourriez être ma secrétaire. Allez partout où je vais. C'est très flatteur. Vraiment. Vous avez un petit truc là. Alors, t'aimes ça? Regarde ce qu'il en est. Une toute petite mission. Tu as échoué et tu as échoué totalement. Regarde. Je suis désolé, monsieur, mais j'avais reçu un coup de fil disant que ma fiancée a eu un terrible accident. Alors j'ai appelé le sergent Paul pour qu'il me remplace pendant que j'allais la voir à l'hôpital. Tu étais en service, John. Tu étais en service. Ce que tu étais censé faire, c'était d'envoyer le sergent Paul à l'hôpital et non toi. Parce que tu es un professionnel dans ce domaine et non le sergent Paul. Connais-tu la gravité de ce que tu as fait? Le sais-tu? Je suis vraiment désolé, monsieur. Sors de mon bureau. Tu es renvoyé, monsieur. Monsieur, s'il vous plaît, ne vous faites pas mais vous savez à quel point j'ai besoin de ce travail. Je suis vraiment désolé, monsieur, je vous en prie. J'ai dit hors de mon bureau. Hors de ça. S'il vous plaît, je suis désolé. As-tu vu le visage de ta fille? Pas vraiment. Mais je pense qu'elle faisait le service de chambre, peut-être pas. Peut-être qu'elle n'était pas là pour ça en fin de compte. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Oui. Il y a quelque chose qui ne colle pas dans cette histoire. Nous devons repartir dans cet hôtel. Nous renseigner de savoir qui a servi M. Jenks le jour où tout ça s'est produit. Je me suis dit la même chose. C'est exactement ouais. Ce qu'on nous a offert. Je suis d'accord. Je vais trouver le faux mot de cette histoire. Ok. Donc, est-ce qu'il faut se trouver? Je ne sais pas. Le pire, c'est que je ne connais même pas dans quel hôpital se trouve. Je ne peux pas la chercher. Alors, que fait-on? Que s'est-il passé? J'ai été attaqué sur mon chemin du travail. Oui. Ils m'ont conduit dans une maison abandonnée. Je suis censé être à l'hôpital. Ils m'ont amené dans une maison abandonnée. Pas possible. Oh mon Dieu. Je suis désolé. Ces personnes qui t'ont appelé pour te dire que j'étais à l'hôpital. Or, j'étais avec eux dans cette maison. Abandonnée derrière tout ceci encore. Abandonnée derrière tout ça. Et je me fais la tête. Tu dis quoi? Excusez-moi, le commissaire, on est au visage. Ils ont bandé mes yeux. Mais juste pour savoir, ont-ils fait autre chose? Je veux dire, ce jour où j'étais fait, on était pas ok. Je vais trouver la responsable, ok? Je viendrai bien pour savoir tout ça. Calme-toi. Désolé, c'est. Thank you.
j'aime ça. Pas du tout. Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui s'engage dans quelque chose, puis se désengage de cette chose. Vous verrez que je suis capable de vous laisser en courant et de vous dire que je ne suis pas pardon. À présent, écoutez-moi. Écoutez-moi très bien. Je n'ai pas besoin de votre chance. Dernièrement, je n'ai plus besoin de vous. Regardez-vous. Regardez-vous. Je vous avais dit, sous aucun prétexte, vous ne deviez faire du mal à M. Jones. Vous ne lui avez pas seulement fait du mal, mais vous êtes allé jusqu'à le tuer. Aujourd'hui, le gouvernement fédéral en a après moi. Et vous êtes là en train de me parler d'un jour. Laissez-moi vous dire ceci. Et je vous le redis encore. Dorénavant, sans aucun prétexte, je ne vais couvrir vos crimes. Je ne vais vous couvrir aucun de vos crimes. Vous n'allez rien faire de tel, commissaire. Je vous préviens. Vous avez commencé avec moi. Vous allez finir avec moi. Ok? Écoutez-moi très bien. Jump. La mort est prêt à payer pour tous les péchés. Peu importe, je m'en fous. Poignée d'une épée, je suis la première épée, c'est ça parce que je suis déjà mort. Vous comprenez, vous êtes déjà mort, mais moi, je n'ai jamais peur de personne. Nous sommes dans le même lieu. Vous avez commencé avec moi. En ce qui me concerne, je peux me retirer quand je le veux. Et c'est ce que je fais ainsi. Vous n'irez nulle part. Regardez-moi, gamin. Regardez-moi, petit garçon. Je vais vous braquer jusqu'à la fin. Regardez-moi, petit garçon. La mort n'a jamais peur de personne. La mort est déjà un homme mort. Vous connaissez aussi celui qui est en face de vous. Vous savez de quoi je suis capable. Vous êtes mort également. Vous êtes mort. Vous savez comment si vous allez crever. Vivez avec moi. Le mort. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Pourquoi est-ce que tu ne décroches pas mes appels? Le mort, c'est à toi que je m'adresse. Écoute. Où sont les documents de la maison que tu as dit que tu devais vendre ou que tu as déjà vendu? Et les autres propriétés? Et l'argent? Tu as dit que tu devais les apporter. Où sont-ils? Qu'est-ce que tu dis? Attends. Donc tu refuses de répondre à mes appels? Parce que je ne t'ai pas donné les documents et l'argent? Seigneur, pourquoi est-ce que tu es comme ça? Je pensais que tu disais que tu m'aimes. C'est comme ça que nous allons passer le restant de nos jours ensemble? Seigneur Jésus, McDonald, es-tu sérieuse? Amour? Quel genre d'amour? L'amour de ton village? Le mot amour existe-t-il dans ce pays qui est le nôtre? Hein? Écoute, je vais te faire juste une faveur. Tu devrais remercier ta bonne étoile. Jusqu'à ce que tu apportes les documents, plus rien. La machine ne va plus pouvoir te donner du plaisir. Tu m'as compris? Donc, la raison pour laquelle tu t'intéressais à moi, c'était uniquement pour l'argent et les biens de mon mari? Oh mon Dieu! Tu m'as fait tout perdre! Mon mari,
maudit le jour où je t'ai rencontré. Tu es un homme sans cœur. Ah! Espèce de grosse vache. Regarde-moi cette vieille chouette. Tant que tu n'apporteras pas les documents et l'argent, tu n'auras plus droit à rien. Regardez-moi cette vieille peau. Et à Okago. Hein? Nango Kanketa, wow. Je vois que cette femme est vraiment folle. Hein? Okago laiku atawa. Euzikatiya mon Marcel. Grosse vache. Qui a pas dit que tu m'aimais? La moitié de tout ça, ce sont de conneries. La cachette, Far West! Notre Dieu est vraiment bon. Nous rendons grâce à Dieu. La gloire lui revient. Car grâce à lui, si nous sommes encore debout. J'appelle ton frère depuis quelques jours maintenant. Il ne décroche pas, il ne rappelle même pas.
J'aimerais que tu me laisses me reposer. Je viens d'arriver avant que tu ne me parles de ton fils. D'accord, mon fils. C'est comme si je savais que tu allais venir. J'ai fait ton plat préféré. Ce que tu aimes bien manger. Salut, maman. Hey. Merci infiniment. Hey. Merci, maman. Lorsque nous allons finir, tu iras manger. Je vais me reposer, puis manger. Tu sais que ça fait longtemps que je n'ai pas mangé ta nourriture. Oui. Ça m'avait vraiment manqué. Je vais me régaler. Salut, pas au téléphone. Hey, mais ça c'est très mauvais. Je ne sais pas ce qui se passe. Eh bien, Donald. Ma seule prière est que encore.
officier. Ouais. Je vais être très franc avec vous, officier. Je veux que vous compreniez que vos intérêts me tiennent vraiment à cœur. Je suis l'une des personnes qui veut rendre les pauvres officiers de police riches. Ça fait du mal de vous voir ainsi. Regardez vos sandales. Imaginez un peu un seul instant un policier de votre trempe. Regardez. Votre accoutrement, il s'agit d'un faux tissu gagnéen. Hein? Quand on le lave avec du savon, il se dilave. Je le sais parce que je connais des gens qui ont toujours voulu me vendre ce genre de tissu bas de gamme. Et je me suis toujours battu contre ça. Maintenant, je veux vous voir porter de bons tissus. Ceux-là qui ne vont pas se délaver. Et je vais vous donner de l'argent pour que vous fassiez un peu de shopping et pour que vous me changiez ces sandales. Fenaini, ce n'est pas bien de vous voir ainsi. Surtout que vous avez des enfants et vous avez une très belle femme. Je les ai déjà rencontrés auparavant. Et les établissements dans lesquels ils fréquentent sont de très mauvais établissements. Ils devraient aller dans des établissements privés. Je vais vous remettre une somme d'argent pour pouvoir vous mettre à l'aise, vous et votre famille, et quelques membres de votre communauté. Ok ? Alors vous devrez travailler pour moi et me couvrir et couvrir mes hommes à chaque fois que nous allons faire nos opérations. C'est bon, vous êtes d'accord ? Vous parlez bien, monsieur. Mais je suis désolé de vous décevoir. Je ne suis pas ce genre de policier que vous pouvez corrompre avec votre... Vous ne savez pas que ce sont aussi de pauvres gens. Vous arnaquez de pauvres citoyens de ton. Sortez de chez moi maintenant. Mon ami avancé. Je vais vous exploser la tête. Emportez cette chose loin de chez moi. Je vais vous exploser la cervelle. Tu vas dire à mon gars.
reste nous garde. Que cette fois, il ne devrait y avoir. J'ai beaucoup trop perdu. À cause de vos erreurs dans le passé. Et cela nous a affectés de manière négative, d'une mauvaise manière. Ah. Je ne veux plus aucune erreur. La gâchette Far West ne commet plus d'erreur. Ce qui est arrivé est arrivé. Tout ce dont tu as besoin pour le moment, c'est de trouver des preuves solides pour pouvoir faire face à ton frère. Allez, il t'a déjà pris tout ce que tu avais. C'en est vraiment de trop. Hein? Qui pouvait imaginer que... Nancy, eh bien, une aussi belle fille pouvait être aussi dangereuse. Je n'en reviens pas, vraiment. Ah, John. Comme on l'a dit, rien n'est impossible. Ressaisis-toi. Kevin m'avait prévenu. Kelvin me l'a dit, mais je ne l'avais pas écouté parce que j'étais aveuglé par amour. Malgré tout, je l'aimais.
Ce qu'elle a fait me hante l'esprit tellement. C'est bon, ça va. Elle était un ange. Ouais, ça y est. Elle ressemblait et se comportait comme elle. Ah, Nancy, comment as-tu pu? Calme-toi, John, calme-toi. Mince. Écoute, je sais exactement ce que tu ressens. Mais ce que je veux que tu fasses en ce moment, c'est d'écouter le sergent Paul et faire ce qu'il te dira, s'il te plaît. Calme-toi. Pense-y, John. Calme-toi. Je sais que le commissaire va te rappeler. Et tu vas reprendre le travail. Tout le monde sait que ce n'était pas du tout de ta faute. Nous le savons tous. Alors calme-toi. S'il te plaît. Et même Kelvin réclame une vengeance pour la mort de ses parents. Tu dois vraiment te ressaisir. C'est bon, pas de problème. John,
Je suis calme, je suis calme. Es-tu sûr, John? Chérie? Ah, Seigneur! Mon Dieu, je te remercie. Mon Dieu, je te remercie. Venez là. Tout va bien, d'accord? Dieu merci. Donc ils vous ont finalement libéré. Oh mon Dieu. Nous étions morts de peur. Maton n'aura plus. Il ne connaîtra plus jamais la paix dans ce monstre, cet idiot, Macton, ce sale criminel, a le courage de kidnapper ma famille. Ne vous en faites pas, Macton va souffrir. Je vais me charger de lui. Je vais lui faire payer de la pire des manières pour ce qu'il a fait. Ok? Onga manoné kundo kumeli fe. Pas de problème. Allez à l'intérieur. Ton cou te fait mal. Oui. Pas de problème. Débarbouillez-vous et reposez-vous. Aïe. Seigneur. Maton. Je vais te tuer avec mes propres mains. Je vais te traquer. Et je dois te tuer. Tu ne vas pas t'en sortir. Parce que si je ne le fais pas, tu vas me dénoncer. Et la police nigériane va me pourchasser. Donc je dois te tuer. Je dois te tuer. Siri? Commissaire. Vous m'avez trahi. Que nous avons gagné ensemble. Commissaire, pourquoi? Mais laissez-moi vous dire, vous oubliez que c'est moi la mort. Je suis la mort. Je jure devant le bon Dieu. Commissaire, je vais vous faire tomber. Maintenant, essayez de vous calmer. Il est nos voyants. À qui n'est bon, les voix. Ok, mon jeune frère, je suis vraiment, vraiment désolé pour tout. Nous pouvons nous arranger et recommencer nos affaires. Je veux dire, je vous promets que je vais continuer de vous protéger, comme je l'ai toujours fait. Témoignons. Fermez-la, sombre idiot. Je vous ai donné une forte somme. Même quand j'ai tué vos sangs, je vous ai payé beaucoup d'argent. Et je me suis toujours assuré que nos affaires passent bien. Vous allez faire un tour en enfer. Mais le mort. Vous avez kidnappé mon épouse. Pourquoi? Toi? Police! Vous êtes en état d'arrestation. Hey! Ne fais pas un geste! Pas un geste! Dépose ton arme! Dépose-le! Doucement! Dieu merci! Recule maintenant! Dieu merci! Merci, Seigneur! Vous avez le droit de garder le silence! Tout ce que vous direz sera retenu contre vous devant le juge! Je vais faire couler! Ça, madame! Dieu merci! Mes hommes sont là. Mes hommes sont venus pour me secourir. Quoi? Ferme-la. Tu oses me parler de la sorte? Hein? Ferme-la! Je suis désolé. Je vais te faire couler, John. Ferme-la. Vous êtes en état. Vous ferez mieux de garder le silence parce que tout ce que vous direz sera retenu contre vous devant le juge. Nous avons des preuves de votre implication et votre complicité dans des affaires illégales avec des criminels. Vous ferez mieux de garder le silence. Officier. Monsieur. Passez-lui les menottes. Officier, c'est moi. Mais officier, allez-vous la fermer. Avancez. Vous feriez mieux de garder le silence. Sinon, tout ce que vous direz de lui sera retenu contre vous devant un court appel. Un avocat vous sera commis d'office si vous n'en avez pas un. Commissaire, avancez. John, avancez. Qu'est-ce qui se passe? Avancez. John, chérie. Quoi? Avancez. Chérie. Avancez. Voyons, John. Avancez. 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 Ah.